une demande en mariage digne des plus beaux contes de fées. Ce mercredi 24 avril, Vaïna Giocante s'est vue proposer en mariage par son compagnon, François Chopard, ingénieur aérospatial, fondateur et PDG de Starburst Aerospace. Après 3 ans d'amour fou, les tourtereaux ont donc décidé d'unir leur destin pour le meilleur et pour le pire. C'est à l'occasion d'un voyage en amoureux en Inde que l'homme d'affaires a décidé de prendre son courage à deux mains et de poser un genou à terre, littéralement. Un moment rempli d'émotion, que l'actrice d'origine corse a décidé de partager sur les réseaux sociaux. Sur Instagram, elle a ainsi publié une photo de la demande, accompagnée d'un long texte détaillant les événements. Il m'a demandé de m'habiller et de le rejoindre devant le temple de Shiva dans un palace de Jaipur. Il a mis un genou au sol, pieds nus, et m'a demandé d'être sa femme. J'ai dit oui sans une seconde de réflexion. Que dire d'autre? A-t-elle ainsi écrit. Avant de poser son téléphone et de retourner auprès de son homme, Vaïna Giocante a tout de même souhaité lui adresser une tendre déclaration d'amour. Cet homme ne fait jamais les choses à moitié. C'est très certainement le moment le plus romantique de mon existence. Il y a des moments comme ceux-là qui sont plus vastes, plus déterminants, plus savoureux. Je reviens fiancée à l'homme que j'aime, empli de gratitude. Vaïna et François, un couple de globe-trotteurs, son bonheur retrouvé, l'actrice de 42 ans le partage régulièrement sur les réseaux sociaux. À nos confrères de Paris Match, Vaïna Giocante avait confié, c'est la première fois que je trouve l'évidence. Cela ne veut pas dire que c'est la perfection absolue dans notre couple, mais on s'aide à s'améliorer mutuellement. On chemine ensemble afin de devenir la meilleure version de nous-mêmes. Passionné de voyage, le couple n'hésite pas à partager ses aventures aux quatre coins du monde auprès de ses fans. La prochaine étape sera donc le mariage. Stay tuned. Article écrit en collaboration avec Cimedia. Crédit photo, Jack Tribeca. Just need